Et regardez, observation de cette classe tout entière. Des juments arabes et demi-sang arabes, 7 juments qui participent à cette épreuve. Alors un message s'il vous plaît pour Jade Cornin. Jade Cornin peut se présenter au secrétariat du concours sous la tente blanche s'il vous plaît. Jade Cornin, voilà qui peut venir donc nous rejoindre s'il vous plaît. On a retrouvé l'un de ses effets. Jade Cornin donc est attendue au secrétariat sous la tente du concours. Allez, nous voici avec le 59 maintenant, qui entre dans le rond d'Avrincourt, le 59.
Alors concernant le planning, nous voici donc en compagnie de la dernière classe qui comporte 7 juments. Pour vous dire qu'à l'issue de cette dernière classe, il faudra un petit quart d'heure. Et Marie-Noël Juste attendra les participants du show pour les inscriptions. Voilà, au niveau du secrétariat au-dessus de la restauration. Et n'oubliez pas que ce soir à 19h, l'ACA vous convie à partager le verre de l'amitié, le pot de l'ACA donc, qui se déroulera à 19h. Ça vous laisse le temps entre la fin de la classe et bien de soigner correctement vos chevaux, bien sûr, de prendre le temps et puis d'aller prendre soin de vous également. Avant de revenir sur le site, donc l'ACA se fera un plaisir de vous accueillir à 19h pour partager le pot de l'ACA. Le 59 sous vos yeux que l'on va rattraper maintenant. Vous voyez le 60 qui s'avance. Le 59 qui quitte le rond, le 60 qui est entré, qui y entre. Le 59 se prénomme Courtyard Tétis, une jument arabe issue de Jean Lotois et d'Indian Orsia par Persic. Elle est née et elle appartient à Bernard Desvillette.
Voilà qui est vu pour le 60. Le 60 qui était la dernière des femelles de 3 ans arabes, puisque nous accueillons maintenant les femelles 3 ans demi-sang arabe. Le 60 donc qui va sortir de piste, voilà qui est fait. Il s'agissait d'Aïda El-Kibi, une femelle arabe issue de Finifte des Mœurs et de Saïda Hippolyte par Saïd Lotois. Elle est née chez Corinne et Stéphane Bianic, à qui elle appartient toujours. Et voici le 61. Le 61. On réitère le message pour Madame Jade Cornin. Jade Cornin qui est attendue donc au secrétariat sportif sous la tente blanche au milieu de la piste pour récupérer l'un de ses effets. Allez, nous rejoint maintenant le 62. Le 61 est sorti. Il s'agit d'Hypnose des Charmes. Nous quitte donc Hypnose des Charmes, propriété d'Olivier Colli. Hypnose est née chez Eda Haas. Hypnose des Charmes est issue d'Aziz de Gargassan et de Planète Car du Fossé par Chaga LV43. Thank you.
On rattrape le 62 qui va quitter le rond, laissant la piste maintenant au 63. Le 62. Utsel Kibi, né chez Corinne Bianic, toujours propriétaire, est une jument demi-sang arabe issue de Dinme El Kibi et de Vuts par Kalkevi. Allez, le 64 va s'approcher maintenant. On va rattraper le 63. Et bien voilà qui est vu pour le 63. Hermione de Cruz est une femelle demi-sang arabe issue de Simba du Bartas et de Palatine de Cruz par Shogun. Elle est née chez Catherine et Antoine Roland et appartient à Marie Le Thor. Appartient à Marie-Marie Le Thor. Thank you.
se présente donc devant vous, le 64. 64 dans le rond d'Avrincourt. Et l'on rattrape le 64 qui va quitter le rond, laissant la piste maintenant à la dernière protagoniste de cette superbe journée. Et oui, il est temps d'accueillir maintenant le 65. Mais découvrons tout d'abord les origines pour le 64, Asma de Calvarès. Le 64, né chez Charles Capot et lui appartenant, c'est une jument demi-sang arabe issue de Perfect de Lafond et de Fidji par Desict de Pau. Et bien voilà, pour accompagner quelque peu la dernière pouliche de cette journée,
Le 65 Alizé de Givarlet. Une jument demi-sang arabe issue d'Aziz de Gargassan et de Source de Givarlet par Calypso, né chez Olivier Enoch et lui appartenant en copropriété avec Frédéric Enoch. Il ne nous reste plus qu'à découvrir les résultats pour... Les trois meilleurs vont nous rejoindre pour le rappel dans cette section des femelles 3 ans arabes et demi-sang arabes. Avec quelques instants de patience pour découvrir. Alors, tandis que se prépare le rappel, une fois que le rappel sera terminé, s'il vous plaît, si les bonnes volontés veulent bien se joindre à tous les bénévoles de l'ACA pour démonter le rond, s'il vous plaît, et que eh bien, le show puisse prendre place dès demain matin. Voilà, si un maximum de monde participant à ce championnat avait la bonne idée de venir donner un coup de main, s'il vous plaît, à toute l'équipe pour démonter le rond. Merci beaucoup. Démontage du rond donc dès la fin du rappel. Merci beaucoup. N'oubliez pas non plus que le photographe Eric Trescaz donc, se dirige vers au-dessus de la restauration, vers le bureau d'accueil, où il se fera un plaisir de vous présenter les clichés de toute cette journée. N'hésitez pas donc à aller découvrir les plus beaux souvenirs avec lesquels vous pourrez repartir illico presto, puisqu'il est possible de repartir avec la photo dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas non plus, amis éleveurs, présentateurs, que si vous le souhaitez, les juges sont à votre disposition pour échanger quant à cette journée, et notamment le jugement de vos poulains, de vos protégés. Ils peuvent vous donner des explications aussi qui peuvent vous permettre bien de faire évoluer votre propre jugement. Et voici que nous rejoignent les trois plus belles de ces demoiselles de 3 ans. Allez, on va inviter les trois plus belles de cette classe à bien vouloir s'avancer dans le rond d'Avrincourt, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je vous propose de leur offrir dès à présent quelques applaudissements, ces jeunes demoiselles de 3 ans qui vont donc découvrir avec vous les applaudissements. Elles les ont peut-être déjà rencontrées à 2 ans, à 1 an. Et nous allons tout d'abord eh bien, saluer et récompenser pour sa victoire dans cette section des femelles de 3 ans, arabes et demi-sang arabes. La victoire revient au numéro 59, Courtyard Tétis.
Courtyard Tétis, née chez Bernard Desvillettes, toujours propriétaire. C'est une fille de Jean Lotois et d'India Norcia par Persic. Et les félicitations, bien sûr, pour sa présentatrice, pour son éleveur. Une moyenne de 82,92 pour Courtyard Tétis, qui l'emporte donc et qui se voit récompensé par Stéphane Chazel, président de l'ACA. Bravo! Pour la deuxième place maintenant, vous aurez le plaisir de saluer Utzel Kibi, le 62. Utzel Kibi, qui obtient une moyenne de 77,92, est née et appartient à Corinne Bianic. Utzel Kibi, la fille de Dinme El Kibi et de Vuts par Kalkevi. Deuxième place avec une moyenne donc de 77,92. Félicitations donc à la famille Bianic, les éleveurs propriétaires d'Utzel Kibi. Bravo. Et pour la troisième place, vous vous en doutez, bravo aux 60, bravo à Aïda El Kibi. Également née chez Corinne et Stéphane Bianic, Aïda El Kibi, qui conclut à la troisième place avec une moyenne de 77,22%. Une fille de Finifte des Mœurs et de Saïda Hippolyte par Saïd Lotoir. Et bien voilà. Les trois meilleurs qui ont été récompensés. Alors, on repart chargé de cadeaux hein, du côté de la famille Bianic avec deux chevaux sur le podium. Encore une fois, bravo. Et si vous le voulez bien maintenant, allez, avec un petit peu de musique et vos applaudissements, raccompagnons. Allez, avec un tour d'honneur, les plus belles demoiselles de 3 ans et la victoire de Courtyard Tétis. La victoire de Courtyard Tétis, la deuxième place d'Utzel Kibi et la troisième place d'Aïda El Kibi. Et bien voilà, encore merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui le peuvent, qui ont des bras de disponibles, s'il vous plaît, de vous approcher de Stéphane Chazel, de toute l'équipe, pour en quelques minutes démonter le rond d'Avrincourt, s'il vous plaît. Merci, voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour officier autour de Stéphane Chazel, de son équipe.